Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour la présentation du livre Jeu de rôle narratif, édité par les Fondations de l'Imaginaire et écrit par Tim Robert, La Voix du Chat. La Voix du Chat, c'est un jeu qui peut jouer en solo ou à deux joueurs, dans lequel vous allez interpréter un chat et vivre une péripétie. Eh bien, c'est un livre un peu comme La Voix du Corbeau, finalement, qui est sorti il y a quelques mois déjà. Chez les fondations de l'imaginaire, aussi en français, et qui avait gagné les UK Games euh, Aware 2023 pour le meilleur jeu de rôle euh, proposé sur papier, parce que Tim Roberts, ici, amenait bien un univers jouable en solo, décliné dans plusieurs univers dans lesquels vous jouez un corbeau. Pourquoi je vous parle de la voix du corbeau Parce que finalement, la voix du chat, ça reprend quelques mécaniques de la voix du corbeau, mais ça va aller un peu plus loin. Déjà, dans la voix du chat, on va pouvoir jouer à deux. Bon, moi, ma chaîne, elle se consacre surtout sur le mode solo, mais elle va proposer euh, quelques règles et structures de règles pour pouvoir jouer à deux joueurs, notamment en coopératif, d'accord En collaboratif, donc. Ou vous pouvez également jouer. En mode compétitif où chacun va jouer son propre chat dans un territoire et essayer d'attaquer et de gagner des, des, des objectifs versus l'autre chat ou faire le mode de jeu classique à deux joueurs. On peut bien imaginer un, un père et son enfant ou une mère et, son, et ses enfants jouer à ce jeu dans lequel eh bien, un MJ va interpréter eh bien, le maître du jeu, donc euh, l'adulte, et l'enfant va jouer le chat qui va pouvoir réaliser ses différentes actions. Bon, maintenant revenons euh, sur le mode solo qui nous intéresse plus particulièrement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a On a un livret déjà qui fait plus de 60 pages. Hein, et c'est pas neutre. Hein, il fait exactement 79 pages. Voilà. 80 avec la dernière de couvre. 80 pages pour un jeu qui coûte à peu près 16,90€. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez abordable. Pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc, à ce livre-jeu, la voix du chat, vous allez avoir besoin de dés, alors que pour la voix du corbeau, il fallait avoir un jeu de 54 cartes. Ici, il faut 2 dés, donc assez facile à obtenir des dés 6. Le jeu, une feuille de terrain que vous pouvez voir à la dernière page, comme ceci, qui va représenter le terrain que vous allez explorer. Vous pouvez imprimer l'antisèche qui permet de rappeler comment jouer votre tour de jeu, d'accord Chaque round, parce qu'on va, on va revenir un peu dessus. Et à son habitude, eh bien, les fondations d'imaginaire proposent quelques accroches ici pour nous donner un peu de culture générale. Et je pense que ça, c'est une petite adaptation de Jérôme Yozo, parce que je sais que c'est quelque chose qu'il aime bien faire, c'est amener un peu de contexte et de culture dans ses jeux. Peut-être que c'est lui, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai l'impression de reconnaître sa patte. Et après, si on doit revenir sur quelque chose que j'apprécie énormément, et eh bien dans ce que proposent les fondations de l'imaginaire, dans leurs différents livrets, eh bien c'est ces petits QR codes ici qui permet d'une part de récupérer les différentes fiches de personnages, donc ici du chat, les cartes et autres, d'obtenir aussi des informations sur la race du chat que vous allez jouer, parce qu'on peut jouer trois types de chats, ou même en créer un, pourquoi pas. Et après, on a aussi un lanceur de dés. À défaut si vous n'avez pas de d donc ça, on pourrait imaginer qu'on peut y jouer eh bien euh, à l'extérieur sur son téléphone si on ne prend pas de notes ou si on lance l'application note et on écrit directement sur son téléphone l'histoire qu'on va vivre bon revenons maintenant à proprement parler ici on nous donne un petit post-it ou du moins un petit, une petite introduction de comment euh, va être euh, l'aventure donc ici on nous donne typiquement l'aventure du chat tel qu'il le vit avec ses yeux, euh, qui va voir des autres êtres vivants, qui sont les humains ou d'autres êtres comme les animaux, des corbeaux, des, des, des poules et autres qui peuvent être des adversaires. Et vous, en tant que chat, et eh bien vous allez devoir déjà grandir. Donc vous allez commencer en tant que chaton, passer à l'âge jeune adulte, adulte après de félin et plus. Et chacune de vos compétences ou du moins de vos capacités vont se développer à votre, votre âge qui va mûrir. Ce que j'aime bien aussi, et eh bien dans ce jeu que j'ai pu tester aujourd'hui, hein, j'ai reçu le jeu ce matin et je l'ai testé depuis. Ce que j'aime vraiment, et eh bien c'est qu'on se rapproche quand même d'un jeu de rôle dans la création du personnage. Pourquoi Parce qu'on va avoir des compétences, des compétences dans lesquelles on va lancer des dés, des compétences très spécifiques. Et surtout, ça va pas se limiter juste à dire si on réussit ou pas notre test. C'est qu'on va avoir des branches de compétences, d'accord plusieurs compétences typiquement comme la survie. Dans la survie, vous allez avoir des sous-catégories de compétences, par exemple rôder, chasser, contrôler, prendre soin de soi, et chacune de ces sous-compétences vont avoir un impact eh bien, sur le déroulement des tests que vous allez faire. Autre chose qui me plaît aussi, c'est ici, vous voyez, c'est le résultat des tests de compétences. Si vous faites lors d'un test entre 1-1, par exemple, bah c'est un échec. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, donc rien n'est ajouté au test de compétence. Entre 2 et 3, on va avoir un petit succès, par exemple. Donc on a un plus 1, un bonus sur notre test de compétence. Entre 4 et 5, un succès, ça donne un plus 2 à notre test de compétence. Et ainsi, ça nous donne un succès retentissant, plus 3 au score de compétence. Donc c'est que là, Tim est venu, l'auteur du jeu, est venu rajouter un petit twist. C'est-à-dire que lancer le dé, ça donne un résultat soit, mais ce résultat va venir aussi être pondéré en fonction, et eh vient de cette table. Quelque chose que j'aime bien parce que ça permet aussi de développer votre compétence au fur et à mesure et d'augmenter la puissance, et eh bien de votre personnage. Donc ici votre chat. Autre point qui me plaît aussi, et eh bien c'est le déroulement du jeu. Pourquoi Parce que on va être plus ici dans la création d'un terrain qu'on va devoir contrôler et en fonction du dé déplacement de notre chat, et eh bien on va pouvoir construire, et eh bien des maisonnettes, un, une zone, des arbres. On va devoir dessiner. C'est quelque chose que j'aime bien moi dans parce que ça me fait penser au Dungeon Crawler, donc on est un plutôt entre un mix dungeon crawler, jeu de rôle. On n'a pas forcément de récompense, mais on est toujours dans cet univers qu'on va devoir dessiner. Et c'est quelque chose que j'aime bien, parce que quand je me raconte une histoire dans les jeux de rôle solo, j'aime bien aussi dessiner la map qui m'entoure. Donc, aussi quelque chose d'intéressant de proposer ici, c'est qu'il y a plusieurs scénarios, ou du moins plusieurs backgrounds proposés, comme ce fut le cas dans la voix du corbeau, eh bien on nous proposait à la fin juste pour rappel comme ça, eh bien un univers scientifique avec les cyber euh, corbeaux, une accroche gothique, euh, des accroches fantastiques. Bon, des éléments et des univers qui sont ici existants dans la voie du corbeau, on va voir aussi ce type d'univers qui va être proposé avec la voie du chat et vous allez voir qu'il y en a un qui est vraiment bien pensé parce qu'on ressent ici le travail des traducteurs qui font aussi des jeux de mots avec un univers que je vais vous présenter juste après. Bon, quoi qu'il en soit donc, on va pouvoir se déplacer, d'accord Déplacement du chat, aller dans des zones qu'on connaît, des zones qu'on ne connaît pas, essayer de conquérir des nouvelles zones, dessiner les zones qu'on va découvrir. On va avoir ensuite des rencontres, donc des rencontres avec des tables aléatoires. Et je suis obligé de tenir le livret sinon la caméra ne fait pas la mise au point. Donc des rencontres qu'on peut pouvoir, pouvoir réaliser. Si on connaît le lieu ou pas, je vais vous en montrer une par exemple. Par exemple, on lance un D66 ici. Et la rencontre qu'on peut faire, c'est par exemple. En colère et on va rencontrer par exemple un corbeau en colère. Et comme ici il y a des statistiques de la rencontre, par exemple 2, 6, 5 pour le corbeau, et eh bien c'est ces statistiques pardon, de combat, d'évasion et de points de vie. Donc on va pouvoir aussi attaquer les ennemis. Si c'est un succès, et eh bien on va pouvoir potentiellement prendre le contrôle du territoire. Si c'est un échec, et eh bien on va devoir s'enfuir prendre la fuite, parce qu'on n'est peut-être pas assez fort vis-à-vis -vis de, de l'animal qu'on a rencontré ou de la rencontre qu'on a eue, et on va devoir retourner un peu sur nos pas et on n'aura pas pris le contrôle de la zone. C'est quelque chose qui me plaît. Pourquoi Parce que finalement, eh bien, vous allez devoir développer votre terrain et prendre le plus possible de terrain, comme un chat qui prend ou un chat qui prend eh bien, possession du terrain dans lequel il vit. Il y a aussi une phase intéressante qui vient s'ajouter, c'est le oui et. Ça, ça va amener euh, eh bien, de la narration, ça va amener un peu de... Bah, des efforts pour euh, le joueur, quoique, il y a aussi des tables qui sont proposées ici, des accroches, comme on pouvait le voir aussi dans la voie du corbeau, donc voilà, on a des accroches, imaginons que je fais 13, voilà, 13, 1, 3, un, un chat sauvage prend le contrôle d'une de vos cases sous contrôle temporaire, bon, et eh bien on va devoir faire un peu de fluff pour expliquer ce qui se passe, par exemple, si on fait 23, et eh bien on se retrouve dans une zone à forte pluie, faites un test de chassé, donc c'est ce que je vous disais, on peut arriver à faire des tests de compétences selon et eh bien le personnage que vous allez choisir, donc le chat, je vais revenir là-dessus dans quelques secondes, pour vous abriter, ou vous êtes trempé et frigorifié, tous les tests de compétences dans les quatre prochaines cases que vous traversez sont effectués avec timidité. Donc là, ça va être la fameuse test de positivité ou de négativité sur les tests de compétences, si vous avez un bonus ou un malus, et eh bien ici, typiquement, on a raté notre test, imaginons, et eh bien comme on a raté notre test, et eh bien on va être timide, et lors de nos tests, et eh bien certains dés, vont ne pas être attribués au test de compétence, ou du moins le résultat de ce dé. Et ça, ça a un impact quand même fort sur le jeu. Et le oui est, bah, j'aime bien, parce que finalement, on nous donne des accroches, mais rien n'empêche, eh bien, aux joueurs d'imaginer des accroches. Ce que j'aime, pourquoi j'aime cette phase, parce que ça permet un peu d'amener des subtilités dans les passages que vous allez rencontrer. Et quelque chose aussi bah, que j'apprécie, c'est que je vous dis qu'il y a plusieurs univers. Donc ici, c'est le mieuxurs des mondes hein, donc euh, encore une fois un jeu nouveau donc pour le dire les meilleurs des mondes introduction c'est les meilleurs des, des mondes donc là vous êtes dans un univers futuriste et typiquement vous allez voir que le, les rencontres vont totalement changer ça va être un robot aspirateur bah oui hein, les chats détestent les robots aspirateurs qui peuvent leur courir après dans une maison donc on peut être poursuivi par un robot on peut être poursuivi par un cyber un cyber chaton alien et le oui et par exemple que je vous disais avant bah, on peut typiquement avoir un serveur de développement, connectez-vous et faites un test de chassé. En cas de succès, lancez un des six, un code de triche, deux codes de triche ou une base de données. Donc on vient adapter l'univers tant aux rencontres, tant au « oui et qui va venir débloquer eh bien euh, les accroches de votre univers. Et enfin, il y a aussi l'augmentation. Donc C'est-à-dire typiquement comment vous allez développer votre chat ici. Ben, on va avoir par exemple l'augmentation. En quatre, l'œil du tigre. Vous avez maintenant une vision plus précise. Vous faites tous vos tests de chasser avec courage. Bon, voilà. après aussi, on a un univers ici égyptien. Le parchemin sacré de Bastet, pas mal. Vraiment, c'est l'univers que j'ai testé. J'ai vraiment adoré l'univers ici qui a été proposé par Tim Roberts parce que autant vous dire que le scénario il est sympathique. C'est l'Égypte ancienne où les chats sont considérés comme des dieux. Bon, voilà, très très sympa. Et on a aussi, et c'est là vraiment, on voit le travail et eh bien de traduction qui est bien fait. Bah, C'est l'univers de Chalien, vous voyez On reprend le mot chat et on le contractionne avec Alien, vous savez, Chalien, la voix du chat dans l'univers des Chalien. Et on a ici un petit QR code qui va venir donner de l'ambiance à votre univers. Bon. Donc, je vous disais, on a donc typiquement eh bien, ces ouliers qui vont s'adapter en fonction du contexte que vous allez vivre le territoire que vous allez eh bien, conquérir, donc ce territoire qui est présentement ici. Et vous allez vous déplacer au bas, gauche, droite, en diagonale. Et en fonction eh bien, de la prise de votre territoire, eh bien, vous allez avancer dans le développement de votre chat et atteindre la fin du jeu. Ter pour terminer, euh, je voulais vous présenter autre chose, quelque chose qui m'a vraiment plu, et c'est que, que, que je n'ai pas vu dans la voie du chat sans me tromper. C'est euh, quand on crée notre personnage, on nous propose trois archétypes de chats. Donc en fonction d'un des six, vous pouvez les choisir, ou en fonction eh bien, de votre sagacité ou votre volonté, vous avez typiquement le chat sauvage, donc vous êtes un, un chat sauvage avec une apparence spécifique qui est décrite, un comportement spécifique et surtout, vous allez avoir des attributs particuliers, des avantages. Là, typiquement si je suis un chat sauvage, eh bien je vais être très fort dans le rôdeur en tant que rôdeur et de chasseur et je vais avoir donc un bonus pour ces compétences et les faiblesses, ça typiquement amadoué et signalé qui vont me donner une timidité donc un malus lors de mes tests. On aura aussi je vais revenir dessus. Le chat errant, voilà, donc euh, le chat de gouttière qui aura une très forte force pour la compétence voyage. Bah oui, étant donné qu'il est chat errant, eh bien il a une capacité meilleure que les autres chats pour se déambuler et visiter des lieux qu'il ne connaît pas et on a enfin le chat domestique qui a un avantage très fort vis-à-vis -vis du social qui va avoir un bonus dans ses tests de compétences sociaux. typiquement s'il a perdu des points de vie et je dis plutôt des points de santé je suis plutôt que des points de vie eh bien ça va lui permettre par exemple de se rapprocher plus facilement de personnes humaines pour être soigné et être amené dans un vétérinaire parce que oui dans la voie du chat eh bien on reprend le concept aussi eh bien des chats c'est qu'on a 9 vies donc 9 vies, 9 possibilités eh bien, de mourir, mais pas de mourir de manière définitive, mais après avoir consommé votre neuvième vie, eh bien, vous disparaissez, et à vous de raconter comment le chat est mort lors de sa conquête de territoire par exemple, contre un ennemi, contre un test de compétence, bon, vous avez chuté d'un arbre quelque chose qui va se passer selon eh bien, les accroches que vous allez rencontrer. Donc voilà, c'était la voix du chat. Euh, une aventure vraiment sympa. Si vous aimez donc l'univers de Tim Robert déjà qui a été proposé par la voix du corbeau, vous ne pouvez être que, et eh bien transporté par la voix du chat. C'est assez intéressant de jouer cet univers, et eh bien sous l'œil d'un félin. Donc, vous allez voir le monde d'une façon différente, non pas aérienne comme ce fut le avec la voix du corbeau où vous allez dominer les villes, mais plutôt Terre à terre, où vous allez essayer de prendre des territoires essayer d'attaquer des ennemis, où le combat est beaucoup plus présent dans la voie du chat que dans la voie du corbeau. Et dans la voie du chat, on est beaucoup plus dans un univers qu'on va dessiner que dans la voie du corbeau. Ou finalement, dans la voie du corbeau, on était plutôt avec une vision très très large. Alors que là on sera dans une vision très précise, puis micro, et avec eh bien ces accroches qui vont dépendre du lancer de dés et non plus eh bien, des lancers, ou du moins de la pioche de cartes. Donc moins. On va dire moins de possibilités en termes de tirage par rapport à la Voie du corbeau, mais beaucoup plus eh d'exploration dans la Voie du chat avec ces eh univers et surtout l'objectif d'étendre votre territoire sur le scénario que vous avez choisi. Eh bien c'était Harrier, descend solo sur la voie du chat. Je prévois de vous présenter très prochainement, je pense, une partie sur la voix du chat. Là, c'était plutôt une introduction. J'ai fait quelques parties aujourd'hui, notamment une dans l'univers égyptien. Ça m'a vraiment plu. C'est pour ça que j'ai voulu vous présenter eh bien, la voix du chat qui sort très prochainement en boutique, donc dans les boutiques spécialisées. Et je remercie aussi les fondations de l'imaginaire de m'avoir fait parvenir la voix du chat. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous me retrouverez sur YouTube dans quelques minutes. Et merci à ceux qui étaient sur le chat sur Twitch. À très bientôt.